Spoutnik France Autre Éditions Identification s'inscrire déconnexion minuit 5-24 juin 2018 Accueil match et résultats actualité du Mondial 2018 Kaliningrad Kazan Moscou Nijni Novgorod Rostov sur le Don Saint-Pétersbourg Samara Charansk Sochi Volgograd Ekaterinbourg Multimédia Opinion Coupe du Monde de Football 2018 Cabine enfumée, ce qui s'est passé à bord d'un avion avec des supporters péruviens, vidéo, l'avion transportant les supporters. Péruviens qui revenaient à Moscou d'Ekaterinbourg après le match opposant leur équipe à la France 0-1, a atterri à Tiumen avec un moteur en panne, selon l'agence russe de l'aviation civile Rosaviatsia. Une panne de moteur s'est produite vendredi à bord de l'avion effectuant la liaison entre Ekaterinbourg et Tiumen, Sibérie, avec des supporters péruviens à bord, mais le moteur n'a pas pris feu, a communiqué un porte-parole de Rosaviatsia, ajoutant, l'avion avait à son bord les supporters de l'équipe du Pérou qui revenaient à Moscou via Tiumen. Pendant la descente de l'appareil, le fonctionnement du turbopropulseur numéro 2 a été perturbé. La fumée de l'huile surchauffée a brièvement pénétré dans l'habitacle à travers le système de climatisation. Après un bref instant, l'air venant du système de climatisation est redevenu pur, a précisé le porte-parole. Il a également annoncé que le moteur n'avait pas pris feu et que la situation se trouvait sous le contrôle total de l'équipage entraîné à se poser avec un seul moteur en marche. La sécurité du vol n'a pas été menacée, a résumé le porte-parole.